Comment? Dernière partie du mode héroïque. Enfin, on va en finir peut-être avec le mouroche noir. Si c'est pas aujourd'hui, ce sera un autre jour. Alors là, j'ai pas, j'ai tenté un truc avec un guerrier, j'ai tenté un war sinistre, je sais pas pourquoi. Alors c'est les 2-4 à la place des 2-1, c'est les 2-4 qui pop. Je me suis dit, allez, pourquoi pas, soyons fous. Gamoche contre Nefarian. Là, le but du jeu, c'est d'aller vraiment très très vite. Vous êtes parvenus jusqu'à la glorieuse. J'ai oublié de prendre des exécutions. La victoire ou la mort. J'ai un berserker écumant au début de partie. Ouais. J'ai une couette pour ça. C'est bon. Ma dernière création vous attend. Mortel. Sans rien de bien méchant. Mais il va rien faire. Voilà, on est tour 2. J'ai un sous-chef cruel que je pourrais mettre. Retournez au travail. Là, il va monter C4-2. J'espère que vous savez nager. Dans la lave en chiant. Je me tape la P2 tout. Allez. Ok, ça me fait plaisir. Hop là. Travail terminé. Ok, c'est parti. C'est qui lui? Ok, 4 de mana. Oh là, il donne des coups de queue et tout. C'est tout et tout. Le type est dingue. Je fais la même, tiens. Chargez. Ça va faire mal le prochain tour. Ok, un break du crépuscule, ça commence déjà très fort. La revanche plus tard. Pour l'instant, on va faire ça. Il va mettre une première grosse pression déjà. Retournez au travail. Première agression. Allez, il y a 5. Le chef de l'attaque en fond. Allez, hop, hop. Pour les champs de guerre. Prochain tour, je suis un tourbillon s'il fait un... Ah, la coup de queue numéro 2 sur la scène. Ah, il contrôle le bord, mais quand même. Il est content. Hop, on gagne de l'armure. Je vais choper ce qu'il faut. Oui, il y a que la scène qui arrive. Ça va faire super mal. On va bien se marrer là, au prochain tour. Oh, il s'est débarrassé au bon moment. Voilà. Voilà, là, c'est pas cher. Putain, mais sérieux ou quoi? Ok, on va faire un truc. Une bagarre. Soyons fous. Tournez là. Au prochain tour, on va pouvoir commencer à faire vraiment très mal. Avec cette tuta, ça va aller très très vite. Le pouvoir. En plus, je peux refaire des tourbillons pour aller à la reproc à fond. Alors, j'espère qu'il traite pas, vas-y, burst. Oui, c'est bon, c'est excellent. Oh, oui, encore un petit coup. Ah, oh, il a traite, méchant. Il a traite, méchant. Waouh. Ok, alors, comment on va la faire celle-là? Bim. Je peux Kel'Thuzan tout de suite. Moi, je peux tourbillol et tout. Je peux traiter, je peux le descendre à 1, je peux faire un tourbillon, je peux invoquer une bille. On va faire comme ça. On va tuer. On va faire du tourbillon. Numéro 2. Ça tue quasiment tout le monde déjà. Hop, je pop. Hop. Et. Hop là, on va essayer ça. Tac, tac. On débarrasse des créatures tranquilles. Et on voit que la sympa. Ça me dérange pas que tu veux ça. Par contre, que tu proc les deux autres, ça me plaît pas du tout. C'est pour ça que je suis un. Oh, elle est pas bon. Oh, la caisse, ça. J'ai que 2 dégâts, j'en ai pas trop. Ah, choper une morsure, mais ça sert à rien. On va monter sur tu veux comme un tard. Hop là, j'ai enlevé que la moitié de l'armée. Et l'ombre flamme m'a fait trop très mal. D'accord avec lui. Romanus, je l'ai tué tout à l'heure. Enfin, je l'ai tué l'autre tour. Tricheur. Espèce de tricheur. Qu'est-ce que je fais? Je me suicide, j'ai le choix. C'est À un tour près, j'aurais pu passer. L'ombre flamme n'aurait rien fait du tout. Et la folle. Bon moment.
Ah, ça peut passer bizarrement, ça peut passer. C'est le cloud qui t'entend. Ah. C'est le cloud qui t'entend. Gamoche contre Nefarian. Le retour. Vous êtes parvenus jusqu'à la glorieuse finale. La victoire ou la mort. L'officier est trop tôt, ça va, l'officier je la garde, hein, je la servis. Et le baston, c'est bien ça. Pour cette baston, pour vite au jour. Ok, ma j'en ai plus mon fini. Mortel. Une de 20. Rapproche ton micro. J'arrive. Ah bah, il est terminé. Mon ombre flamme, anime le morceau. Oh, une putain de gamin. Par contre, t'es en train de procamer mort. Donc, la baston va être générale. Sur 4, bah, bim. 4, 8, 12, 16, 18 au prochain tour. Ah, y'a rien qui va venir, là je suis très mal. J'ai quasiment perdu, en plus c'est n'importe quoi, j'aurais peut-être dû taper juste avant. Enfin c'est pas grave. Là, je vais prendre 18 gratuits. J'ai du full board. Je suis obligé de faire péter la baston bêtement. Oh, en plus il me force à taper. Oh, j'ai perdu. Je peux même plus claquer la baston, c'est trop tard. Je peux plus rien faire parce que là je fais baston avec une tête de qui reste. J'ai plus de mana pour me booster. C'est rapide. Ok. Ok, ok, ok. Il faut vraiment qu'il invoque au lieu de jouer. Ouais, oui. La première fois j'ai eu beaucoup de chance, mais malheureusement derrière j'ai pas pu jouer Kel'Thuzad. Hop là, on va chercher quelque chose. Mais vite, le tourbillon c'est bon. Les fabricants, la goule. Ça se garde obligatoire. Ça va quand ils paraissent trop rouges, faibles. Ils exécutent cette barrière. Même si ça sert à rien, sauf au bout d'un moment dans la partie, ça va me servir. Ok. Et 2-3 charges, ça peut servir, mais il faut vraiment que j'y joue au bon moment. Il faut un bon début, il faut un bon suite pour ça. Je vais prendre l'arme, ça c'est bien, je vais toucher PL pour le début de la TH. Oh la lame. Ça pourrait servir avec le client sinistre quand j'en ai un. Chez Wargame, je joue un 9. Je joue un 9. Alors, je sais pas ce que je peux pas invoquer comme ça. Il va utiliser son pouvoir héroïque ou il va invoquer. Je veux qu'il invoque. Ah, il invoque. Allez, invoque. Mon travail est essentiel. Laissez-moi tranquille. Il invoque. Ah, c'est sûr. Alors, contre un truc. Double. On va partir sur Wargame direct. Et on va prier qu'il invoque toujours pas. Allez, ça fait mal. On va revenir pour l'instant. Et il commence. Je peux pas jouer la goule à cause des deux œufs en fait. Waouh, je peux pas jouer ça non plus. Quoique. Non, je peux pas. Essayez ça. On va péter une 4-2 déjà. Comme ça, j'ai rien du tout. Coup de queue. Voilà pourquoi il faut invoquer. Okay. Retournez au travail. Allez, on y va, on compte ça, la pam pam, hop là. Je crois que j'ai la lame rebondissant sur la ligne. Ok, on va écouter. Ok, alors, comment on va la faire ça? On peut partir là-dessus.
peut. Armure up. On va taper une fois ici. Le prochain tour, il faudra 13 les deux yeux, 13 qui va arriver. Allez, ça va. C'est ça. Ok, donc c'est arrivé. Il invoque en masse. Tu voles. 1-9, Nérubien. Alors ça, ça fait pas plaisir. Alors pas du tout, du tout. Waouh. Là, faut lui chercher. Je crois que tu connais pas que c'est trop nul. Pas de problème. Ok, on l'a fait comme ça. C'est difficile parce que là il va invoquer un mort et je peux pas faire grand-chose. Et c'est une 4 de terre. Alors comme la 4 de RST, je vais plutôt faire ça. Pour ça il va trek comme un imbécile. En espérant qu'il joue d'abord ces deux créatures. Ok, il joue pas, il va faire. C'est bestial. Oh là là, c'est une 9-9. Je l'exécute. De l'âme, j'ai pas de créature. Il me faut une créature. Ok, ça, ça sert à rien. Quoique. 4, 5, non, ça sert à rien. Taper une règle. Hop là. Essayez ça. Travail terminé. D'accord. Ouais, j'ai fait 7 de mana. 9, j'ai fait 10. Il invoque à mort, je vais utiliser une lame rebondissante. Je voudrais bien que je chope. Voilà, c'est un client sinistre. J'aurais peut-être une chance là. Un client sinistre, c'est peut être faisable. Allez, un client sinistre. Aïe aïe aïe. Ok, alors. Là, regardez bien. Je peux traiter comme ça. J'ai obligé de traiter celui-là. 4, 5, 6, 7, 9, c'est bon, ça passe. Allez, c'est parti. Oh, c'est la 4, 4, 5, 4, 10, 4, 8, c'est perdu. Ah, là, 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 client sinistre qui voulait pas venir. La charge qui voulait pas venir. Ah. Il me faut un début sympathique. J'ai pas de début sympathique. Le catalyseur qui peut aider, ça c'est sûr. Il faut quelque chose au milieu. La revanche, ouais, ça me paraît un peu trop fort la revanche. J'ai déjà des tours de monde. Berserker, j'ai un Lorken. J'ai joué des ennuis et tout. Il faut impérativement un petit Terli sympathique. Le fabricant d'armes il sert à rien, je vais le remplacer par autre chose d'un peu moins cher et de plus sympathique aussi. Par exemple, un petit mouton explosif ça peut être sympatoche, il faut vraiment que je traite bien par contre. On va tenter le mouton explosif. En plus ça fait 2 dégâts partout, ça peut multiplier les clients sinistres, augmenter l'univers de cœur. C'est l'objectif de l'objectif. Surtout qu'il est en 3 parties et je voudrais bien passer à la deuxième partie très rapidement. Donc ça là, je pourrais me prendre petit à petit les dégâts, je m'occupe de ces cartes et après je vais pouvoir lâcher. Là j'ai quelques axes pour tout, j'ai un berserker c'est très bien. Il me faudrait d'autres créatures pour pouvoir éviter qu'ils se fassent one shoot. Ça c'est bien, ça c'est bien. J'ai des tours 3 mais il me faut un tour 2. Un tour 2, un ennui autre chose, c'est parfait. Ma dernière création vous attend. Mortel. Oh, il a pas de dragon. Ah, c'est bon signe ça. Oh, je gagne. Hop, la boule gratuite. Ça c'est bien. Le wargame derrière. Ça il va traiter comme un imbécile, ça c'est bien. Excellent. J'ai la pièce, il va jouer ses grosses cartes. J'espère que vous savez. Oh, il joue la lave. Dans la lave en fusion. Oh là là, il joue une très balle, c'est bon signe ça. C'est excellent pour moi. C'est excellent. On part sur un wargame. Je vais absolument enchaîner avec le berserker. Mon travail est essentiel. Laissez-moi. Ah, il a un dragon maintenant, d'accord.
là je peux partir, sûr. Je peux faire furie des vents. Oh, hop, ouais, je peux faire ça. Non, pas celui-là. On va jouer l'autre. On va tourbidol. Et on va furie des vents les deux. Parce qu'il ne peut pas du tout aller. Hop. Et au prochain tour, il va se prendre 16 de dégâts s'il fait rien. Donc il est obligé de faire 13 de dégâts. C'est excellent. Ok. Ça, c'est... Oh là là, j'ai un bouton. Changer. Alors les boutons, je vais les faire quand il y aura ces créatures. Le pouvoir. Ça, ça me plaît pas du tout. Ok, je vois rien d'autre, il faut quelque chose de bien. Une boule. 1, 2, 3, 4, 5. Non, je perds tout. Par contre, je peux faire la vie. Le dernier cœur derrière. Commencer à deux. Et attendre un peu. Faut vraiment que je passe à la P2 pour me débarrasser de ça. C'est la question. Hop, ça fait le monde. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. C'est bien ça qui fait mal. Ok, ça c'est bon aussi. Waouh, alors là j'ai des trucs. Alors, on peut la faire comme ça. 3, 2, 1. C'est risqué. Allez, je pense que c'est pas ok. Ok. Je peux. Faites comme ça, ça fait tout péter. Ah, j'aurais dû traiter avant. Oh, c'est pas grave. C'est pas grave. Si je les traite comme ça, c'est pas très bien. J'inflige 13. 14. C'est à 1 PV. Par contre, j'ai plus de cartes du tout. Je peux pas le trade. Mon ombre flamme anime wow. L'orceau. Ok, il faut quelque chose de bien là, s'il te plaît. Oh, une hache. Ah, je peux déjà faire ça. Ça me fait plaisir. Ok. Hop là. Bonne idée. Lève-toi. Ok, alors j'ai invoqué. Défoncer là. On a déjà fait 13 PV. Il y a encore 60 PV enlevés. Là il m'a fait 1. Et là il va jouer toutes ses cartes. Le problème c'est que j'ai vraiment plus rien, il faut absolument que j'ai mes plusieurs figures par ce moment là. Que je puisse le one shoot au prochain. Parce que là il peut rien faire d'autre en fait. Il a rien du tout. Il a plus rien. Je suis à 22, c'est pas très grave pour l'instant. J'ai un bouton explosif mais ça sert à rien. Parce que si je le joue, je vais mourir comme un imbécile. Ok, on va temporiser comme on peut. On va aller enchaîner, vite. Ça, ça me plaît pas du tout. Ou une puissance accablante ici. Ok, les 4. Ouah, double puissance accablante, je vais mourir en fait. Je vais mourir très très vite. Ça va aller très vite, je suis quasiment mort là. Oh là là, il me one shoot. Comment il m'a enchaîné. Donc il utilise toutes ses puissances accablantes et tout à la P2, d'accord. On va prendre l'autre. Galoche contre Nefarian. Le retour. Vous êtes parvenu jusqu'à la glorieuse finale. La victoire ou la mort. On va faire exactement la même chose. Un bouton pour jouer, ça c'est bien. J'ai tant que le bouton me gêne. Ma dernière création, mortel. Ah, c'est ça, ça me gênait déjà. Je vais m'évoquer un peu. Mon nom,
aux flammes animent leurs os. Un petit wargame. Un petit coup de queue. J'ai pas de chance là. J'ai pas de chance. Je peux pas invoquer ça comme ça. Comme si on a respawné. Ça me plaît pas du tout. Ah, ça va. Pour l'instant, ça va. J'ai pas de client signé, c'est dommage. On va faire ça. Ah, ok. J'ai mon dernier. Ouais, je vais pouvoir l'exécuter, ça c'est bien. Par contre, il va gros. Rien au côté de ça. Allez, la pièce 7. Ok, il manque beaucoup. Moi, je suis d'avis pour toutes les astuces possibles. Pas venir, ça m'agace. Changer. Pas de problème. Ça va venir, pas venir. C'est quoi son astuce? Je vais l'impression que t'es con. Peut-être tester son deck, il a une intéressante quand même. C'est un peu compliqué. Wow, il a que un PV suivant. Un coup. Oh, j'ai pas touché qu'un seul avant de tuer l'autre. C'est n'importe quoi. Alors, je vais réfléchir. Apparemment, il y aurait un prêtre OTK qui va peut-être passer. Alors, je vais réfléchir. On me dit, si tu joues prêtre au TK et que tu le TK avant Elixia, alors tu auras win la game instant. Je suppose que c'est... on va changer de deck. Ça va être en cours, ça va prendre un peu de temps, mais apparemment... Alors si j'ai bien compris, on dit le prêtre. Alors le OTK, c'est très simple. Ça va aller très très vite. On peut jouer les pilules, mais c'est pas vite. Lumière des narines, non. Feu intérieur, non, c'est pas le feu intérieur qu'il me faut, c'est l'autre. Je vais vérifier. Hein.
j'envoie un message, ça ne veut pas passer. Ben, il est où ? Non, il est parti. Il est là. Bon, bon ça bugué, donc je me débrouillerai avec le TK. Alors. Du coup, ça sert à rien. Du foyer de monde, ça sert à rien. D'ici de masse, ça sert à rien. Ça va plus servir. Le choix des lèvres, ça peut servir. Les bouts de bouclier, ça peut servir. Ici. Les ressuscités, non. Les puits de lumière, bof. Non. Ça va. Bon. Il y a tous les boosts qu'il faut, je crois. Double. Double mode pour bouclier, des trucs comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Attaque manteau, non. Et Nova Sacré, ça très important. Des... Prophète Vélé, ça coûte les coups de cul et tout en plus, alors on prend deux, ça. On prend deux lumières d'énergie pour soigner au cas où ça tourne mal. Alors, deux clairs, je crois que ça peut servir. Ça, il pourra donner des coups de queue bêtement. On va prendre deux clés de lumière au cas où. On va prendre deux modules. On va partir sur... Je sais plus du tout pour tenter que moi je pars sur un prêtre au TK avec le rejeton normalement. J'espère avoir bien compris. Je crois que ça sert à rien. Les alchimistes servent à rien. Les œufs peuvent servir. Contre salade et tout, ça peut servir. Les zombies chauds, ça peut pas servir. Les eaux chémériques, ça peut servir par contre. Les folies de l'ombre, ça peut servir, ça peut être rigolo aussi. Les boxeurs, non. Les drakes, non. Les visions, non. Les attaques mentaux, hors de question. On peut jouer des contrôleurs, donc là, on prend les deux. Mais on va quand même partir sur les ondes de tronc pour l'instant. On va viser sans que ça prenne. Allez, hop. Pas une mauvaise idée, mais il faut vraiment que je tienne les rejetons. Et puis enchaîne, bim, 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 c'est fini. Ça peut aller très très vite. Anduin contre Nefarian. C'est genre je le monte à 40-40, bim, bim, bim. Vous êtes parvenu jusqu'à la glorieuse finale. La lumière nous apportera la victoire. Ça va. Pas tout. Surtout le geek avec PC le vendredi. Il va falloir que je tombe, j'ai un mode douleur mais c'est bof. Ma dernière création vous attend. Mortel. Pas de pièce, merci. Ok, on va devoir gérer déjà. Bien plus de lumière, ça c'est bien. On peut pas gérer. Ok, on va repousser deux heures. Ah non, il veut beurre, c'est bien ça. Ah, mais je rigole. C'est excellent. Je vais te chercher. Ça me plaît. Je pourrais faire une lumière des marions. Au nom de la lumière. Ah bah, il est peut-être d'ici. Hein. Donc là, il invoque un mort. Je pense que l'eau va s'arrêter, ça va faire super mal. Oh, par contre, là, c'est moins bien. Ça va rapidement que ça va.
pour l'aile noire. Ok, c'est 29, j'ai pas de mot de la mort. C'est quoi, c'est dommage. J'en ai une autre pour temporiser un peu. Il faut pas faire ça. Affrontez la lumière. Le pouvoir coule en moi. C'est bien ça. Waouh, alors là faut réfléchir. C'est bien ça. Il est bien le chien. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ça m'embête. Je suis obligé de piocher, bien sûr. C'est pas cool. Waouh, alors là, ça devient intéressant. Je vais pouvoir trade comme ça, mais le problème, c'est qu'il va réinvoquer derrière. Je peux démolir comme ça. Je peux pas trade. Si je trade ça, je suis mal. 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Je suis à 21 PV, il peut moins de shoot. Attendez. Je peux taper, soigner tout le monde, faire un gros one shoot. Ah, ça devient délicat ça. Donc, je vais tenter quelque chose de fou. T'as moyen de mettre une AOE à 4 tout le monde. 21. Affrontez la lumière. Ça sent le boss. On va faire ça. Je vais faire pleuvoir la destruction sur nous depuis les cieux. Contemplez ma tour. Lève-toi, Onyxia. Tapez. J'ai raté mon TK malheureusement. Il y avait trop de boss. Et j'ai pas géré la dernière. Là je prends une. Regardez-moi. Ok, 13, 14, 15. Je vais monter à mort. Voilà, j'ai perdu. Et ce n'est que. Petit truc, j'y suis presque. C'est une lumière, c'est vrai que je peux faire des choses, hein. Je suis bête. Ok, je change un ou deux trucs. J'enlève les prophètes d'Hélène. J'enlève une folie d'ombre. Et je vais remplacer par deux feux intérieurs. Parce que c'est génial de pouvoir enchaîner après esprit divin, feu intérieur sur une feuille de lumière. Ça peut être faisable. Ça peut être rigolo et tout. Par contre, il n'y a pas eu de coup de queue, j'ai eu la chance. Donc, le boss c'est Buggy qui passe un coup de queue idiot sur la créature. Vous êtes parvenu jusqu'à la glorieuse finale. Il me faut le tir. On a double de PV. Sombre sécateur. Ah, ça peut servir, les deux peuvent être. Encore mon tour. Ma dernière création. Ah, ouais, j'ai deux ennemis. Mortel. Ça, c'est une 3, ça va être pénible. Waouh, alors là. Un ennemi. Voilà, il fait la pièce, il va devoir gérer. Ça, c'est bien. Mon travail est essentiel. Laissez-moi tranquille. Là, il prête, ce qui est logique. Voilà, ça devient super excellent. Je peux la monter à 20-20 si j'ai ce qu'il faut. Il faut attendre le tour 6. On peut faire des trucs bien, là. Là il traite, c'est mal. Par contre, qu'il invoque comme ça me tombe pas. Ok. Pas de l'intérieur, par contre j'ai pas de presque sous chez la salle.
Et coup de queue, voilà, coup de queue, hop, ça va être comme ça. Ça va être quoi? Je vais pouvoir commencer à gérer un peu. Oui, je vais pouvoir faire ça, hop, hop. J'ai d'attendre comme ça, dès que j'ai le signal, je vais pouvoir doubler et tout, ça va aller très très vite. Donc allez faire ça. Ok, là, voilà, on va voir. Je commence à avoir beaucoup de créatures. Ah, je peux pas faire de Nova à cause de ça. Par contre, c'est presque du one shot, on y est presque. J'ai du Nova. Je sais pas comment faire. Presque 14, 15, 16. Ah non, il trade, il va trade. Non, il trade pas. Il trade. Est-ce qu'il trade ou pas? Non, il trade pas. Non, c'est pas ouf non plus. Waouh, un mot de pouvoir bouclier et tout, ça peut passer. Aïe, aïe, aïe. Je suis obligé de faire une Nova, ça c'est sûr. Je vais faire 12, là maintenant j'ai 4, il faut absolument que j'ai un... Wow, 9-9, je peux pas le gérer. C'est deux fois qu'il me fait le coup, je vais pas le gérer. Il se soigne lui-même. Ok, je peux faire lumière des Narius, c'est pour rien. Au nom de la lumière. Ça va aller. Plus 2, plus 4. Laissez à ce serviteur un tour pour se préparer. Ah, c'est dommage. Vous m'avez... La leçon de 114, je vais les remplacer par contre. Les Nova Sacrés, ils servent, hein, au cas où. Les sacs de son, ils servent. Les prêtresses au chenail, ils peuvent servir. Les dislo. J'ai pas de bombe, c'est dommage. J'aurais eu des bombes, ça aurait pu servir, mais j'en ai pas. Il me faut. Qu'est-ce que j'avais dit? Avec son roi. Avec son roi. De lumière. C'est pas pareil d'elle. J'ai eu en tant que gamin. J'ai vu qu'on avait 12 ans, qu'on avait 17 et qu'on avait 50. Ah, je peux jouer ça. Ça passe. Mmh. T'as à quel âge là? Bah, tu comptes que. Ah, je peux le faire aussi, ouais, c'est dur ça. Devoir jouer. Non, je crois à 17 ans en plus. Les seigneurs de la mort, les booster à fond. Ça peut passer ça aussi. Je peux aller monter à 16. Attends. 32. Je peux pas, je peux pas aller en mode yolo. En espérant que je veux pas faire le PD. Non, mais sérieux. Là, c'est un peu. Je culotais. Ça peut passer. Yo. Salut avec un petit sourire. Ah ouais, je me mets bien avec un. En duel contre Nefarian. Le retour. Là, moi, je suis assez pas bien dessus. Vous êtes parvenus jusqu'à la glorieuse finale. Ça fait mal. La lumière nous apportera la victoire. J'en ai trop. Là, tu peux parler. Je peux pas. Je regarde un. Maru bouquet plus 15. Marion Coquet plus 15 en bas de chez moi, j'ai badé. Ma dernière mortel. Où l'on est au fond. Faut que je tienne. Paye un beaucoup plus. Anime Florzo. Je tombe lumière tranquillement, comme une calabre. Oula! On va la tuer tout de suite. Non, on va faire ça.
Maintenant, on va la porter au fur et à mesure. Le dragon crépuscule, il va être trop faible. Bonne nouvelle. On va faire hop. Hop. Ça va aller très très bien. Sur la loi, on inflige 10 partout. Il faut que je booste taille double. Non, quand je le joue, ça va. Les damnés se tiennent prêts. Quelqu'un est blessé. Je passe directement la P2. Je vais essayer à peu près d'y arriver. Les 28, tout va bien. Faut que j'arrive à doubler vraiment les premiers. Celui-là, il est bien. Ça va aller très très vite. Lève-toi! Faut tellement que je tue celui-là que ça booste celui-là encore. Si on chasse 18, il est sous 12. Ok, 1. Regardez-moi! Je crache du feu! Donc, je vois, c'est pas grave. 14 que j'ai un risque. Je suis à 19, j'ai 6, 6, 7, 9, c'est compliqué. Faut que je booste, allez. Et une aura qui fait 3 de dégâts. J'ai tué une araignée. Je suis à 18, 19, on va faire 22, c'est ça, chaque fois. Je suis à 9, je suis à 18, donc ça sert à rien. Je peux booster un coup. Je suis à 21, il ne peut pas faire grand chose pour l'instant. Il m'afflige 2. Deux boules de feu. Non. Je les crache sur vous depuis tout là-haut. 3, 5, c'est pas très grave. Je suis à 11 PV, 5, 7, 8. Je peux pas me booster. Waouh. Alors là, on booste encore. J'envoie une Nova sacrée. 7, 8, 9, je suis à 11, 12, 13. Je peux pas envoyer un Nova. Je peux pas. Je suis à 13, après je me laisse. S'il a un coup de queue, j'ai perdu. S'il a un truc de flamme, j'ai perdu. Ça peut jouer là-dessus. Ça se joue peu, hein. Le prochain tour, je peux le one-shoot. Ça va jouer pour ça. Ah oui, tout le monde, c'est vrai. C'est vrai, je l'ai oublié. Je dois le dépop comme ça en one shoot de chez one shoot. Il faut vraiment que je le booste au-delà, que j'enlève son bouclier. Ok, c'est ça la plus. Et le pire, c'est qu'il tue plus mes créatures et tue plus les siens par rapport à moi. Il est plus que ça. Vous êtes parvenu jusqu'à la glorieuse finale. Bon, je viens. La lumière nous apportera la victoire. Il est peut-être. Non, Jérémy, c'est lui qui veut. Ma dernière création vous attend. Mortel. C'est pas grave, c'est 2-3, ouais, j'ai mal. Vas-y, j'ai que t'envoies vite. J'ai pas le cas. Moi, je suis très vieux, par exemple. Oh. D'accord, ça va, j'ai de la chance. J'ai beaucoup de chance pour l'instant. Dommage que ça ne dure pas. Ça va traiter comme ça, voire traiter. 3-5, je peux m'en occuper. Oui, il va réussir, t'inquiète, il est très obstiné. Ah, ça va être dur. Faut que je le booste d'une certaine façon. Hein, on va y aller comme ça. On va le laisser très tranquillement. Je me dis que c'est pas moi. J'ai pas que ça passe. Mon travail est essentiel. Laissez-moi tranquille. 3, 5. Ok. Si, j'ai des tables de soins normalement. Waouh. Je peux pas utiliser la calice tout de suite. Les damnés se tiennent prêts. Voilà, ça fait ça. Hop là. Hop là. Éplouvé, me soufflant. Ce qui me fait. Il joue la pièce. Dans ma rue, ma rue est bloquée. 15 secondes. Ok, ça va. Je vais passer devant ta caisse.
Mon destin est scellé. Un énorme bord, donc là il va devoir traîner au fur et à mesure. Sinon ça va soigner, je vais piocher à mort. Je perds. Hop, un petit coup de pioche. C'est pas la meilleure carte que je voulais. C'est pas mieux. Pioche. Laissez-moi réfléchir. Mets-lui 10. Putain. Ou tu pioches ou tu lui mets 10. Ou tu fais les deux. 4, je vais booster, je peux changer. Je vais vraiment. Ouais, on va faire comme ça. Ok. Je vais le booster encore un peu. Ok. J'ai vraiment pas de chance. Croix intérieure. Mon destin est scellé. Petite créature dans les yeux. Ok, la petite chaîne ne sert à rien. Hop, un petit coup, c'est bon. Et c'est parti. Tu vas faire une autre pioche. Waouh. Ok. Ouh. Presque le one shoot si ça continue. Avant, c'est fumé. Ah ouais, si je fais ça, non, je suis mal. Il faut absolument que je me débarrasse. Mon destin est scellé. Il faudrait être à deuxième coup intérieur, c'est ça le problème. Je peux pas m'amuser à faire ça comme ça. Je vais me prendre vite dans la figure. Putain. Je préfère à l'autre. Ça dépend de ce qu'il va faire, je le descends petit à petit. Faut absolument que ça le booste pas, lui, il faut que je l'achève quand même. Beaucoup de créatures. Il me faut une Nova là. Après je débarrasse de celui-là. Il me faut une Nova là. Un moment. Allez, la Nova. Et le rejeton peut être pire. En 4, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16. Il faut que j'en traite un malheureusement. Par contre au prochain tour je peux vraiment mon faire très mal. Ouais. Je suis déjà les deux extérieurs. Travail terminé. C'est 4, 28. Il me faut une Nova, c'est très important. Moi j'ai perdu. Aïe aïe aïe. Les moodoulers sont arrivés trop tard. Ce qui m'a coûté la gueule, c'est que les moodoulers sont arrivés vraiment à la suite trop tard. J'aurais pu trade les petits drapeaux, mais pas de chance. Ça prouve que ça peut tomber. J'espère le tomber d'ici une heure, mais non, ça peut donner. Ça va pas tarder à tomber. C'est juste que ça va tomber, ça va arriver au bout d'un moment. Anduin contre Nefarian. C'est dans l'heure. C'est juste que... Vous êtes parvenus jusqu'à la glorieuse finale. La lumière nous apportera la victoire. J'ai pas envie de garder la main. J'aime pas le tronche pas la main, prêtresse là. Oh, le seigneur de la mort, ça c'est bien aussi. Il faudra un feu antérieur par contre. Ma dernière création. Le rejeton. Mortel. C'est une 2-3, ça me plaît pas, ça c'est une 2-8. Et j'invoque rien, il a invoqué ces deux-là, je suis mal déjà dès le début. Ah non, j'ai un petit. Oh, un coup de pur en main, ça c'est bien. Ah, j'ai beaucoup plus une nouvelle. Le mot ne me fait pas peur. Mon travail est essentiel, laissez-moi tranquille. Puis c'est très gentil. 3, 4, 5, non, il peut pas lâcher. Déjà commencé. Waouh. Meurs. On va faire ça comme ça. Ombre flamme. J'ai pété le petit, ça c'est bien. Ça suffira pas. Moi où je sors tout le temps, je me
suite. J'ai une Nova sacrée, je peux soigner, je peux faire beaucoup de choses. Coup de queue, ça va toucher ici. Dommage. Ça y est, on est parti. Et bon, ça va être plus possible. Il faut vraiment que l'autre a plus de 30 PV. Je vais essayer de baisser son armure. Ça, c'est pas très grave. Après, il n'y a pas rien d'autre, il n'y a rien de méchant. Donc là, je vais booster. Je vais prendre le lit. On va taper à mort. Je vais vraiment le booster à feu pour ses PV. Parce que je vais le booster, mais tous ses PV, le one shot. Donc là, il est à 5. Ok, ça c'est bien. 3, 2, 1. Ok, c'est bon. On est parfait. Hop là. On fait tout péter. Lumière des Nariu, ça peut aider. Au nom de la lumière. On ne tape pas une pixie, on va plutôt faire comme ça. Hop. On va attendre que soit elle, soit un autre. La pièce, donc il va attaquer encore ces deux créatures. Mon travail est essentiel, laissez-moi tranquille. 1, 3, 5. Donc là, on va pouvoir vraiment invoquer beaucoup. Hop, ça, j'en ai vachement besoin. Ça, je vais absolument le booster. Hop, voilà, c'est une 3. On va pouvoir taper comme ça. Tac. De toute façon, on a trompé normalement. Les damnés se tiennent prêts. Absolument que ça monte le plus possible. Ça booste moins, mais ça la booste elle aussi. J'ai une autre lumière des Nariu. Donc ce que je vais faire, mon destin est scellé. Prenne ici. Oh, ça monte à 4-4. Oh, c'est dommage. On va monter. On va pouvoir très bien faire. Au nom de la lumière. Alors c'est une 9-2. Je tape pas d'autre. J'ai compris. D'autre attaque. Ah ouais. Je pense quand même très comme ça parce que ça sert à rien. Il y a tellement de sa vie qui t'a boosté à plus de 30 dégâts. Il va continuer son petit show. C'est plus de mauvais, malheureusement. Ok, je vais partir. Quelqu'un est blessé. Taper comme ça. Stop. C'est le deuxième truc. Quelqu'un est blessé. Non, si ça inflige, je suis mort. Je veux vraiment que ça s'arrête. Pour l'aile noire. 6 de dégâts. Ça pioche. Choper le feu intérieur, c'est pas ce que je veux. Ça, c'est ce que je veux par contre. Deuxième puits de lumière, ça devient intéressant. Ouais, c'est très bien. Ça, ça devient bien. Du coup, je comprends sa technique, ça rejoint. Il faut absolument que je tienne le choc. Il va pas tenir, malheureusement. Ça, on va pas tenir. Ça peut le faire, ça peut le faire. Allez, vas-y, montre-moi ce que tu fais. J'ai un choix de Vélène, ça, ça devient intéressant. Du coup, il va remettre une tonne. Ça reste une 8-8. Remets une tonne. C'était... Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? On va mettre un deuxième taunt. Oui. Oui. La mort ne me fait pas peur. On va le booster à mort, lui. On y est presque. On va trade l'un des deux. Pas de soucis. On va même trade le deuxième. Ça fait pas besoin de piocher. On va monter à 14, 15, 16.
ça va jouer au prochain pioche, ça c'est sûr. On va rien toucher. On va rien toucher. C'est une créature, c'est une deux pourrie, ça c'est bien. On va toucher. C'est cool ça. Le fenêtre bien. Hop là. Un premier point sur lui. Oh, c'est parfait. Oh, il me manque juste un tout petit. Un tout petit. Oh, ce one shot. Incroyable. Alors, ça c'est beau ça. Ça c'est incroyable. Oh, alors là, je vais même le vulgariser, le pauvre. Oh là là, il va plus cher. Oh là là là. Est-ce que j'ai acheté un... Ah oui, j'ai acheté un. Pioche encore. Non, je fais pas de Dovra, ça c'est sûr. J'ai quasiment plus de cartes. Allez, double esprit divin. Double esprit divin. Tu es 368 et tu fermes ta poire. Oh là là. Merci. Ah, merci Rose. Merci infiniment pour l'astuce, franchement. Ça aide super bien. Vous êtes le roi de la montagne aurée. Célébrez ça avec une nouvelle autre carte. Ouais. C'est vrai que c'était super intéressant. C'est vrai qu'il n'y avait rien et qu'impérativement il a su. Sinon, lui, ça a été le mage avec exécutus. Non, un prêtre avec un exécutus. Celui-là, c'est un prêtre au Téco. Ça n'a rien à voir. Allez. Oups, là, j'ai fait un truc. Hein. Qu'est-ce que j'ai ? Je suis trop content, ça y est, c'est bon. Hop là. Alors là, ça sera plutôt avec le jet que d'expliquer comment ça marche. Hop, il n'est pas rien. Deux. J'ai tapé l'écran, le dernier. Je demanderai à Chiro de me retransférer toutes les images que je puisse mettre sur mon Facebook. Il est d'accord. Non. Il est d'accord. Alors voilà à peu près le principe du deck. Le but c'est de temporiser le plus possible pour essayer de booster soit un puits de lumière, soit un seigneur de la mort, soit un rejeton de la lumière. Le but du jeu c'est de lui faire des petits pings, lui enlever le bouclier, pas totalement. On doit absolument éviter Konixia Pop. Et d'un seul coup, vous faites vous booster votre rejeton, votre comme je l'ai dit, votre seigneur, de telle sorte qu'il soit l'attaque soit pareil que. Les PV grâce à feu intérieur et de faire au moins plus de 32 dégâts en fait. Là j'ai réussi à faire tomber le bouclier jusqu'à 1, donc il restait 31 PV au total. J'ai boosté mon rejeton jusqu'à 64 de dégâts. J'avais même pas besoin de toucher. 68, voilà ça. T'as dit 65, 68, on sait plus du tout. 68. En tout cas, c'était plus de 60, largement plus que ses PV de départ, donc il est largement possible de le one shoot sans le toucher. Sinon c'était Onyxia, et une fois que vous tombiez Onyxia, comme vous avez pu le voir, c'était vous, il clinait le board, il reprenait ce truc énervant une deuxième fois, alors qu'Onyxia veut faire des puissances accablantes et tout. C'est vraiment ingérable de passer Onyxia. Autant le passer sans passer à la P2 d'Onyxia. Franchement c'est une bonne astuce, je remercie Heroes pour ça. Bien, là sur ce je vais vous laisser là quand même, il se fait tard. Au moins de tous les boss, ça a été, parce que j'avais pas l'astuce, on m'a donné sur Facebook, par contre l'astuce, ça a été celui-là le plus long de toute l'histoire jusqu'à maintenant. Même sur Extra Match, j'avais pas lutté à fond. Quant à tous les autres boss, comme je l'ai dit, c'est à peu près une voire deux heures de moyenne. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser là. On se retrouve la semaine prochaine. Cette fois, ce sera surtout du tryhard PVP. Je vais essayer de passer légendaire plus vite possible. Ça y est, les préparatifs sont enfin terminés. J'ai toutes les cartes proches noires. J'ai beaucoup de cartes GVG. Enfin, faut que non, avant de se quitter, on va faire quelque chose quand même. Pour fêter ça. On va acheter 4 boosters. Acheter. Ça est beau. Non, ça c'est bon. La collection. Ouais. Si t'as une légendaire, je te tape. Et j'ai pris 4 GVG, c'est parti. Je tire les paris à côté. Hein. Une légendaire, je te tape. 4, 5. J'aurais mérité d'ailleurs. Non. J'ai pris le mauvais d'autre cas, c'est nul. Eh oui, j'ai pris Nastra Battery. On va profiter. On va prendre celle-là. Hop là. Et voilà, d'autres cartes. Rouge noir héroïque, vous allez voir, on va avoir une légendaire tout de suite. Ah oui, des pics déjà. Oh, ça va être cool. Oh, là.
tchou-tchou. Rare. Ah, mais Kaor. Épique. Elle est bonne. La bombe. La clé à molette. J'ai chopé la clé à molette de l'heure. Je suis content. Oh, j'ai oublié de faire le tour de ce côté. Hop là. Allez. Oh. Les stars sont obligatoires. Ouais, les ennemis au fond à côté. J'ai jamais hop là, ça. Ok, c'est des super souris, du cul des piques. Un petit totem, ça me fait plaisir pour certains chamans. Ok, voilà. Bon bah voilà, le mont Rochemoir c'est terminé. Comme les poussières et tout ça, quand je suis fou dans les créations. Ouais. Allez, encore un petit peu et je vais pouvoir crafter une légendaire. Ok, des petites voleurs, j'aurais vraiment préféré avoir des bombes de lumière pour le prêtre. Ça pourrait vachement aider. Mais je crois que je vais crafter des gros mâches ou des légendaires. J'hésite encore entre ces deux-là. C'est vraiment les légendaires qui me manquent. Ah, ok, les derniers. Est-ce que c'est un GVG? Oui, c'est un GVG. Il est où le GVG? Il est là le GVG. Le bon numéro 2, je sais pas. Allez, moi je vous dis à la semaine prochaine, ou plutôt si j'ai envie de streamer. Mais normalement on se retrouve comme d'habitude pour le Hearthstone la semaine prochaine, samedi prochain, 21h. Ce sera du PVP, ça sera peut-être même de l'arène, j'accumulerai de l'argent pour si ça me lasse faire de l'arène. C'est vous qui voirez de toute façon. Allez, tchuss les gens.